Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 19 novembre et j'aimerais pouvoir t'envoyer, toi, Ivoirien, toi d'un autre pays qui traverse des moments de doute, des moments d'incertitude, des moments où tu te poses des questions sans réponse. Je n'ai pas les réponses à tes questions, mais ce que je peux te garantir, c'est que je t'aime beaucoup. C'est que tu as une place de choix dans mon cœur. J'aimerais te faire écouter une chanson qui est vieille, une chanson de Monsieur Emmanuel Boafo. Et puis après, je vais te présenter une vidéo. Ici au Québec, il y a une expression qui dit toujours, quand on se compare, c'est sûr qu'on ne peut pas, tout n'est pas comparable. Les difficultés que chacun traverse ne sont pas forcément comparables avec celles des autres. C'est peut-être trop facile aussi de dire, parce que telle personne a vécu ça, et que moi je vis ça en me comparant, je trouve que ma situation est meilleure. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais les choses que nous traversons, les gens que nous rencontrons, les histoires que nous entendons sont capables de nous donner de la force. Et je vais vous partager avec vous une histoire que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux devraient pouvoir nous permettre de nous enseigner, de nous soutenir mutuellement, au lieu que certaines personnes prennent ça pour s'insulter, pour dévoiler des secrets, pour faire des clashs, pour se blesser l'âme. On devrait pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour créer une véritable communauté, même si elle est virtuelle, elle est composée d'êtres humains. Moi, je suis virtuel pour vous. Vous aussi, vous êtes virtuel pour moi, mais je suis un être humain quand même. Alors, je vais vous faire écouter la chanson, elle dure 5 minutes, peut-être que je ne vais pas aller au-delà, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais c'est juste pour envoyer quelques mots d'espoir. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous sommes arrivés à un moment où nous ne savons plus vers quoi nous tourner, nous ne comprenons pas ce qui arrive, nous avons prié, nous avons fait tout ce qu'il faut et on a l'impression que rien ne marche, que rien n'avance, que rien ne se fait. Mais si, il y a beaucoup de choses qui se font dans le secret. Et il faut s'accrocher à quelque chose. Quand on s'accroche à quelque chose, ça nous permet de traverser cette vie-là. Il n'a pas été dit que ça allait être facile. Alors, trêve de bavardage, je vais vous faire écouter la chanson que je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà entendue. Plusieurs d'entre vous la connaissent. Mais c'est toujours bon de rappeler, c'est toujours bon de pouvoir mettre un baume sur le cœur de celui qui est désespéré. Et j'espère, avec beaucoup d'humilité, être pouvoir vous apporter aujourd'hui un peu de baume sur votre cœur et vous dire que l'espoir, il existe. Ce mot-là existe, donc l'espoir, il existe.
Vadiara Ouattara, tu peux m'amener le message inbox? Oui, oui, c'est possible, Vadiara. Inbox. Et donc, voilà le... Oui, oui, envoie-moi un message inbox, Vadiara Ouattara. Je voulais donc envoyer un message d'espoir. Quand j'utilise certaines chansons où on entend le nom Jésus, Jésus, j'aimerais que ceux qui ne sont pas chrétiens ne se sentent pas frustrés, ne se sentent pas blessés. Mais ce sont des chansons que je connais, des chansons souvent en français. Ben, vous pouvez remplacer Jésus par Allah, vous pouvez remplacer par tout ce que vous voulez. J'aimerais faire cette clarification-là. Je ne suis pas en train de faire des campagnes d'évangélisation, non. C'est parce que ces chansons chrétiennes-là renferment beaucoup de messages qui sont bons pour l'âme, qui sont bons à écouter, qui sont bons pour notre évolution spirituelle. C'est pourquoi j'utilise ce genre de chansons-là. Et donc, voilà, je voudrais que ça soit clair, clair. Ce n'est pas, je ne suis pas en train d'évangéliser ici ou bien à demander à des gens de donner leur vie à Jésus. Non. Les paroles qui sont dans ces chansons-là sont des chansons qu'on peut utiliser. Voilà. Ce que moi, ce en quoi je crois, ça ne regarde que moi. C'est ma vie personnelle et privée. Mais j'aimerais que ce soit clarifié. J'ai vu une vidéo passer ce matin. Une vidéo que je trouve très, très, très bonne. Et j'aimerais vous la faire voir. Écoutez, la personne parle et puis on écrit en même temps. Donc vous allez écouter et puis vous allez regarder. L'espoir, le message là d'aujourd'hui là, c'est vraiment l'espoir. Et puis comme on dit au Québec, quand on se compare, on peut toujours dire ah ok, mais il y a des choses qu'on voit dans nos vies, il y a des choses, des moments qu'on traverse, il y a des gens qui vivent des expériences que quand on les compare aux nôtres, ça nous encourage et puis on se dit, ah ok, d'accord, vraiment, voilà, voilà, voilà. Personne n'attend que Dieu descende sur terre pour venir régler le problème de la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui se font, il y a des actes qui se posent, mais on ne voit pas les résultats. Quand les résultats sont là, on ne se dit pas qu'il y a eu des actions en amont. On veut avoir des résultats, on veut avoir des choses qui explosent, on veut voir tout de suite. Mais avant qu'une situation ne se règle, ou bien avant qu'une situation n'arrive à un terme, il y a beaucoup d'actions qui se passent, peut-être que tout le monde voit, mais aussi il y a des actions souterraines qui se passent. Et moi, je te dis de garder l'espoir. Même si quand tu regardes autour de toi, tu as l'impression que c'est foutu pour ton pays, je veux te dire ce matin que ce n'est pas foutu pour ton pays. Parce que ton pays, c'est un grand pays. Parce que toi, tu es une grande personne. Peu importe le pays d'où tu viens, tu es une personne, une grande personne. Et le pays que tu as, le pays dans lequel tu es né, est un grand pays. Mais ce message s'adresse particulièrement à la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que je connais, parce que c'est ce qui me concerne, c'est ce dont je peux parler avec beaucoup d'aise. Donc je te dis que ton pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas un petit pays. Ton pays n'est pas un petit pays. Il a des ressources nécessaires et ces ressources-là vont lui permettre de se relever. Il va se relever. Puis si on se base seulement sur l'ordre normal des choses, on ne peut pas faire du mal à des gens de façon impunie pendant des siècles et des siècles, et puis ça va pas finir. À un moment donné, ça s'arrête forcément. Que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu crois en Dieu ou pas, il y a des lois naturelles, des lois universelles, il y a des lois spirituelles qui existent. On ne peut pas faire du mal de façon impunie à des gens, les narguer, les insulter, les bafouer, se moquer de leur douleur, se moquer de leur gémissement. Et puis on va penser que ça va rester comme ça. Non, je ne crois pas que ce soit possible. Non, ça ne se fait pas. Et donc je vais vous montrer la vidéo que je vais vous demander d'écouter attentivement. Et à travers cette vidéo que je vais vous envoyer, vous dire qu'il y a des gens qui traversent nos vies. Personne n'est là au hasard sur cette terre-là. Tous les gens qu'on rencontre, il nous apporte quelque chose. Donc j'espère que cette vidéo va vous apporter quelque chose ce matin. Je l'espère de tout mon cœur parce que je vous aime très fort, mes tuteurs et mes tutrices. C'est grâce à vous que je suis là en train de faire une vidéo aujourd'hui. Merci Aboubakré, Yalkouye. On est tous les mêmes. T'inquiète. Et on a tous les mêmes problèmes.
cheveux, meuf. T'es grave bizarre, voilà. T'es là, t'es une meuf, t'as pas de cheveux, t'es grave bizarre. Je te dis, t'es un mec et t'as la calvitie. J'ai fait tomber mon ordinateur. Excusez, attendez. Je vais ramener. L'ordinateur est tombé, c'est sur une chaise là. Ok. Est-ce que vous réussissez à lire? C'est pas facile à lire. Tu m'as dit combien? Une descente sur 8 millions? Sur 4 à 8 millions. Ah ouais, ça fait vraiment une petite chose. Pas de sous sur moi. Eh ben c'est bon. Est-ce que c'est mieux? Mon TikTok il a 16 millions de vues. 1,5 million de likes. Ça bouge trop, désolé. J'ai connu Rania parce qu'elle m'a fait des dons sur une plateforme de streaming qui s'appelle Twitch. Donc j'étais en stream et cette jeune fille a piqué la carte bleue de sa maman et est venue me faire 3 dons de 1 euro, 1 euro et 1 euro et en me demandant à chaque fois de l'ajouter tout ça. Et au début elle m'a expliqué ce qu'elle avait, sa maladie, tout ça, elle m'a tout expliqué. Et après, bah, tout doucement on est rentré en contact sur Instagram et aujourd'hui bah, on fait des vidéos ensemble. Oh, oh. C'est la bagarre. Je vous ai dit, chérie, c'est la bagarre. Quand elle est trop nulle. J'ai eu besoin d'une personne comme ça dans ma vie, en fait. Et je pense que mes abonnés aussi en ont eu besoin parce que ça a mis beaucoup de claques à beaucoup de gens. Déjà, ils se sont dit, putain, je me plains parce que j'ai pas ci, parce que j'ai pas ça. Mais regarde cette gamine, comment elle rigole, comment elle kiffe sa vie. Moi, je suis là, je suis bien, je mange bien, je vais bien et je me plains. Hop là, tu passes. Et je pense que elle m'a fait du bien à moi, mais elle a fait du bien à beaucoup de gens. On avait Brut. Aïe, aïe, aïe. Et Brut, le reportage par le déodorant. C'était pété, moi. Arrête. Ah, c'est drôle. Attends, bouge-toi, tu as mangé le mur. Hein. J'ai toujours su que je pouvais, tu vois, percer sur Internet et tout. Mais je sais pas, peut-être j'étais entouré de mauvaises personnes.
La star, elle est là, regardez la star. Tu vois, sortir dehors, voir les gens reconnaissent, moi ça me fait plaisir, tu vois. Transmettre la bonne humeur et tout, c'est cool. C'est comme si c'était mes potes en fin de cette petite pige. Ouais, j'aime bien. Pour l'instant, j'ai pas encore rencontré de vrais haters d'internet, mais voilà. Peut-être que ça va arriver, peut-être qu'on devra sortir les points. Moi, je connais, Excusez, je me suis mise à genoux pour que vous puissiez voir. Ok. J'espère que vous avez réussi à lire, vous avez réussi à entendre. Avec, on a eu des petites difficultés, l'ordinateur est tombé, et puis tout. Il fallait que je me mette un peu à genoux pour que vous puissiez lire. Voilà le message que j'avais envie d'envoyer ce matin. Nous nous plaignons souvent de ce que nous avons, nous nous plaignons souvent de ce que nous traversons, nous nous plaignons souvent de tout. Et pourtant, si on veut se comparer à cette jeune dame, paix à son âme, elle avait 16 ans, si on se compare, on va dire qu'on est heureux. Je ne suis pas en train de la rabaisser, non, ce n'est pas ça le but de ce partage que je vous fais. Mais les paroles qu'elle a eues à dire, au lieu de se plaindre là, elle prend sa vie du bon côté. Parce que quelque chose que tu vas faire, les gens vont toujours te critiquer. Donc, vis ta vie. Elle a vécu sa vie aussi pleinement qu'elle pouvait et elle est partie. Elle est partie, mais je dis que son passage n'aura pas été vain sur cette terre. Parce que grâce aux réseaux sociaux, moi je vous présente son histoire aujourd'hui. Il faudrait qu'on fasse un effort pour essayer de s'en inspirer. Il y en a qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui ne peuvent même plus marcher, qui ne peuvent pas parler. Ils font tout sur eux. Ce sont d'autres personnes qui viennent les nettoyer. Donc, nous qui sommes capables de nous déplacer, on ne sait pas de quoi demain va être fait. Tu peux aujourd'hui marcher et puis le lendemain te retrouver couché et puis ne pas pouvoir te déplacer. Donc, essayons autant que faire se peut de répandre l'amour autour de nous, de répandre la bonne humeur tant qu'on peut. Il y a des gens, leur spécialité, c'est sur les réseaux sociaux, c'est insulter, c'est maudit, ça ne donne rien. On n'est pas heureux à insulter quelqu'un. Quand tu as insulté quelqu'un, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta journée? Mais quand quelqu'un te dit, madame, merci beaucoup pour le sourire que vous m'avez adressé, pour le bonjour, pour tu fais ton travail, et puis quelqu'un vient te demander un service, un petit service, ou bien que tu peux le rendre, rends-le. Quand ta journée est finie, elle n'est pas la même que quand tu as insulté quelqu'un. C'est vrai. Et je dis souvent que nous n'avons pas été créés pour faire le mal. C'est la vérité. Nous n'avons pas été créés pour blesser les autres. C'est la vérité. Parce que quand tu as blessé quelqu'un, quand tu as insulté quelqu'un, tu as insulté jusqu'à dans ses parties intimes, ça ne t'apporte rien. Rien du tout. Mais quand tu as posé une bonne action, et puis la personne te dit merci, le plaisir que tu ressens là, ça n'a pas de prix. Moi, vous savez ce que je fais comme travail. Je fais du ménage au Walmart. Et hier, il y a une vieille dame là, vieille, vraiment vieille même, avec son panier, poussait, cherchait quelque chose. Moi, je ne travaille pas au Walmart, donc je ne connais pas vraiment les articles où ils sont passés, dans quel rayon. Puis, j'étais à côté là, et puis, je voyais qu'elle était en train de chercher, elle était un peu petite de taille.
Puis je lui ai demandé, qu'est-ce que vous voulez, madame? Puis elle a dit la chose là. Bon, moi je ne sais pas où c'est. Puis j'ai dit, bon, je vais aller voir. Donc je l'ai laissé là, là. Je lui ai dit, non, attendez ici, parce qu'elle voulait, elle voulait m'accompagner. J'ai dit, non, attendez. Elle m'a dit le nom. J'ai retenu un peu. Et puis je suis allé chercher la chose loin, loin là-bas. Puis je suis venu lui donner. Elle était contente. Et elle a dit, parce que les gens qui travaillent au Walmart, en arrière de leur, ils ont une petite blouse là, un sarrau, où c'est écrit heureux de rendre service. Puis moi aussi, j'ai mon uniforme, mais ce n'est pas écrit dessus Walmart. Donc, on sait que je ne travaille pas au Walmart. Il y a le nom de l'entreprise qui m'emploie. Donc, elle me fait un petit geste comme ça de l'épaule et puis elle me fait tourner. Donc, je tourne, elle regarde derrière le tricot là. Et puis, elle dit, ah, ok. Elle dit, est-ce que vous savez que sur les sarraux de ceux qui travaillent au Walmart ici, c'est écrit heureux de rendre service. Mais vous, vous êtes le service. Est-ce que vous avez compris ce que la dame voulait me dire? Sur le truc de Walmart, c'est écrit « Heureux de rendre service ». Mais moi, elle me dit que moi-même, je suis le service. Rien ne m'obligeait à le faire. Moi, je suis en train de faire mon travail. Je suis en train de passer pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est tombé quelque part pour nettoyer. Et puis, je l'ai vu, je suis allé vers elle. Parce que simplement, c'est un être humain. Et parce que je fais mienne cette façon de faire, de pouvoir rendre service quand tu peux. Mais quand la vieille dame là m'a dit ça, que vous êtes le service vous-même, ce que j'ai ressenti comme plaisir là, on ne peut pas acheter ça. Peut-être que je ne vais plus jamais la rencontrer. Mais ma journée, j'étais bien comme ça tout le reste de ma journée parce que j'avais le sentiment d'avoir rendu service à quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Des gens viennent, ils insultent, ils ne te connaissent pas, ils t'insultent jusqu'à dans tes parties intimes à cause de prise de position politique, on va venir t'insulter et tout. Mais quand la personne a fini d'insulter là, qu'est-ce que ça lui a apporté dans la journée? Rien. Elle est encore plus malheureuse. Et ça, là, c'est la vérité. Essayons de faire le bien autour de nous, autant que nous pouvons. Tant que nous pouvons, faisons-le. Faire le bien, ce n'est pas seulement donner de l'argent aux gens. Hein. Un sourire, n'importe quoi, une histoire drôle, quelqu'un. Non, faisons ça. Donc, je voulais partager ça avec vous, l'histoire de cette jeune dame qui est décédée, paix à son âme. Elle a envoyé un message à l'humanité. Je prends sa vie du bon côté. Qu'est-ce qu'elle peut changer? Elle est née comme ça. Elle ne peut rien changer. Ce que tu ne peux pas changer là, qu'est-ce que tu peux faire avec? Si tu as la possibilité de changer quelque chose, essaie de changer ta façon de voir les autres. Ça, tu as la possibilité de le faire. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides d'aimer telle personne. C'est toi qui décides de faire le pas vers telle personne. C'est toi qui décides d'avoir des pensées positives pour les autres, pour ceux qui pleurent, pour ceci et puis cela. Donc voilà ce que je voulais vous envoyer comme message aujourd'hui. Je n'avais pas grand chose à vous dire, mais il fallait que je vous entretienne. Je vous aime très fort et puis c'est la vérité, je vous aime. Ça là, c'est la vérité, c'est la vérité. Soyons des personnes, soyons des lumières pour les autres. Soyons des lumières pour les autres. On peut décider de le faire. Soyons des lumières pour les autres. Soyons des occasions de sourire pour les autres. Soyons des occasions de rire pour les autres. C'est pour ça, là, je pense que nous sommes nés. Nous ne sommes pas nés pour nous entretuer. Parce que même quand tu as tué quelqu'un, là, ça ne t'apporte rien. Tu as tué quelqu'un, tu l'as blessé, tu l'as poignardé. Quand tu rentres chez toi, là, je ne pense pas que tu sois si joyeux. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Donc, bisous à vous. Je vous aime très fort. On se dit à bientôt. Et puis, bye bye.